la traditionnelle conférence de presse de Noël au patriarcat latin de Jérusalem et le message du custode pour Noël 2017 depuis la grotte de Bethléem. Les chrétiens, qui représentent une minorité dans la ville de Gaza, ont célébré Noël à l'avance dans la ville de Gaza avec la délégation du patriarcat latin de Jérusalem. Le 15 décembre 2017, une soixantaine de jeunes ont participé à la marche franciscaine à Bethléem en préparation pour Noël. Ils ont suivi le même chemin emprunté par la Sainte Famille en ce lieu où Jésus est né. À Jérusalem, les étudiants se préparent à Noël en retrouvant le vrai sens de la fête, en réalisant des œuvres de charité, contribuant ainsi à construire un royaume de justice et de paix. La suite de l'initiative présentée la semaine dernière en faveur des réfugiés en Jordanie. Nous avons suivi les jeunes de Bethléem dans leur projet en les accompagnant dans les camps de réfugiés d'Amman. Nous vous invitons à ne pas avoir peur et à venir. Tel est l'appel adressé aux pèlerins par l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Mgr Pizzaballa, ainsi que par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Tel est le salut de Dieu, la possibilité de toujours recommencer, la possibilité que tout soit transformé. Ainsi conclut Mgr Pierre Battista Pizzaballa son message de Noël, prononcé lors de la traditionnelle conférence de presse au patriarcat latin de Jérusalem. L'administrateur apostolique a retracé avec les journalistes présents les événements clés de l'année écoulée dans la sphère ecclésiale et sociale. Il ne s'est pas limité à souligner le processus en cours de réorganisation administrative et pastorale du patriarcat latin ou le rapprochement entre les églises chrétiennes de Terre Sainte ou encore l'augmentation des pèlerins en 2017 malgré les annulations des dernières semaines. Il en a profité également pour réitérer la nécessité de préserver la nature unique de Jérusalem, trésor pour toute l'humanité. Il a ensuite dénoncé la grande absence d'une politique capable d'offrir de vraies perspectives et de s'engager à la liberté et au bien commun du peuple. Absence qui ne fait que favoriser la fatigue et le découragement de la communauté chrétienne. Les tensions et les difficultés ne continuent cependant pas à avoir le dernier mot. En tant que chrétiens, nous continuerons à exprimer publiquement notre joie. Nous ferons tout ce dont nous devons faire à Noël dans nos familles et aussi lors de nos célébrations. Je tiens également à réitérer notre engagement. En dépit de tout, nous sommes ici, nous resterons ici et nous ferons tout ce que nous pouvons pour surmonter tous nos problèmes. Merci. Joyeux Noël à vous tous et que Dieu vous bénisse. Dans la même veine, les vœux du custode de Terre Sainte dans son message de Noël. Malgré les nombreux signes contradictoires que les nouvelles quotidiennes et l'expérience personnelle nous ont présentés, rappelle le père Francesco Patton, Noël est devant nous comme un cadeau qui peut changer nos vies. Que ciascuno e ciascuna di noi in questo santo Natale. Que chacun de nous, en ce Saint Noël, puisse ouvrir les bras pour accueillir, avec une généreuse tendresse, l'enfant de Bethléem, mais aussi tous ces petits qui sont devant nos yeux aujourd'hui. Que chacun d'entre nous soit capable d'ouvrir ses mains, dans le geste du don, aux nécessiteux et à toutes les créatures que nous rencontrerons en ces jours sur notre chemin. Depuis la grotte, je vous souhaite un joyeux Noël, depuis ce lieu où le don de Dieu et notre salut ont jailli. E la nostra salvezza hanno avuto inizio. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ces paroles de l'Évangile n'ont jamais autant pris sens à Gaza que ce dimanche 17 décembre. La petite communauté chrétienne de la bande de Gaza a fêté Noël en avance avec une délégation du patriarcat latin de Jérusalem, conduite par Mgr Jacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine. C'est une région où l'on a beaucoup souffert. Et là où il y a de la souffrance, Dieu est là d'une manière spéciale. C'est pourquoi l'Église privilégie aussi ce lieu d'une manière spéciale. Chaque année, nous avons la tradition de venir le dimanche avant Noël pour célébrer cette fête en avance, pour être plus proche des gens afin qu'ils ne se sentent pas isolés, abandonnés.
Au contraire, ils doivent se sentir membres d'une grande église, de l'église universelle. La visite de l'évêque était très belle. Nous sommes très heureux qu'il se souvienne de nous. La période de Noël est très belle. Ce sont des jours de paix et d'amour. Le patriarcat latin a envoyé une délégation pour nous aider, pour prier avec nous et voir les conditions de Gaza et de l'église ici. Nous sommes heureux de leur prière, de leur amour et de leur présence. En 10 ans, les chrétiens de Gaza sont passés de plus de 4000 à peine plus de 1000, dont seulement 140 catholiques. Beaucoup sont partis et beaucoup continuent à partir, à aller vivre en Cisjordanie ou à l'étranger. Un jour, j'ai décidé de quitter Gaza. Quand je regarde autour de moi, je me rends compte que beaucoup de chrétiens sont partis. J'avais peur de rester seule. Je sens que nous sommes seuls et que personne ne se soucie de nous. En attendant, nous mourons. Nous sommes diminués de plus en plus. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de vie digne. Et à la première occasion qui se présente, ils quittent Gaza et ils ne reviennent pas, cherchant une meilleure opportunité de vie qu'ici. Ici, garder la foi chrétienne, ici signifie aussi les chrétiens tout court. Il y a non seulement un travail spirituel, mais aussi un travail social. Ceux qui restent doivent faire face à un taux de chômage record de l'ordre de 60-70% par rapport à la moyenne du 47% du reste de la population. L'électricité fonctionne uniquement pendant 3 à 4 heures par jour, l'eau potable n'est pas courante partout, et tous voient leur liberté de mouvement limitée. En même temps, je pense à ma famille, à mes frères et sœurs. Si je quitte Gaza, je ne serai pas heureuse. Je ne serai nulle part ailleurs. C'est pourquoi j'y réfléchis et je resterai ici avec ma famille. La paroisse est un lieu où l'on peut vivre une communion, un échange, en dépit des difficultés quotidiennes. Ainsi, la communauté a animé la journée du dimanche avec la musique des scouts, la célébration de la Sainte Messe et même un spectacle de Noël, avec pour principaux protagonistes les enfants. La naissance du Seigneur doit être célébrée principalement ici sur cette terre, car ce que nous voulons le plus sur cette terre, c'est vivre en paix. Ainsi, nous célébrons d'une manière spéciale la nativité du Seigneur, le roi de paix, né pour nous apporter la paix. Après une matinée de marche, arrive l'un des moments les plus attendus, la visite de la basilique de la Nativité. On entre par la petite porte, qui par le passé était une mesure de sécurité, et qui représente aujourd'hui l'humilité de ceux qui s'inclinent devant le Fils de Dieu fait homme. Ensuite, on descend à la grotte de la Nativité, où parmi les chants et les prières, on contemple et médite face aux détails de ce lieu sacré. La rencontre d'aujourd'hui nous aide à vivre la spiritualité de Noël. Dans le Nord, il n'est pas facile de vivre cette expérience. Nous sommes donc venus ici, dans cette ville chrétienne, pour nous identifier à la fête de Noël. Après plus de 2,5 km de marche, le groupe atteint le village de Betsarour, où se trouve le champ des bergers. Ici, il semble à nouveau entendre la voix des anges qui proclament « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Nous avons tous des préoccupations ou des choses importantes à faire, mais nous avons pris le temps et avons décidé de marcher le long du même chemin. Les choses sont plus faciles maintenant qu'avant, mais nous pouvons voir en partie comment cela a dû être difficile pour les bergers qui ont eu à marcher et à suivre le chemin en direction de Jésus-Christ. La personne en charge du pèlerinage a souligné que le but de la marche était d'accompagner les jeunes à redécouvrir le vrai sens de Noël, afin qu'ils ne restent pas seulement attachés aux seuls aspects matériels de la fête. Chez les bergers, ils ont pu trouver un exemple de foi et de disponibilité. Même s'ils ne comprenaient pas tout,
les bergers se sont rendus à l'endroit indiqué par les anges. Et là, ils ont rencontré la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus dans la crèche. Les jeunes occupent une place spéciale dans le cœur des frères franciscains. Nous sommes au service de ceux qui vivent au pays de Jésus parce qu'ils représentent l'espérance et que ce sont eux qui continueront la marche. Nous avons commencé à préparer un spectacle théâtral qui a mis en évidence le centre de l'univers entier, l'enfant Jésus, entouré de la Vierge Marie et de Saint Joseph, mais centré principalement sur les bergers. Ce sont eux les plus simples. Ce sont eux qui ont été choisis par Dieu pour être les premiers à recevoir la bonne nouvelle. La nouvelle que Dieu, le roi de l'univers et de tout ce qui est visible et invisible, est devenu à tous égards un homme comme nous, à l'exception du péché. Durant cette quatrième semaine de l'Avent et en préparation pour Noël, la liturgie invite les fidèles à méditer sur la figure de Saint Joseph. Con fede pura e coerente nel progetto di Dio. Avec une foi pure et cohérente avec le plan de Dieu, Saint Joseph accepte, et nous aussi à sa suite en tant que chrétiens, le projet de notre vie. Nous acceptons de marcher dans la justice et dans la paix sous le regard de notre Créateur. Camminare nella giustizia e nella pace davanti allo sguardo del nostro Creatore. À Jérusalem, marquée à répétition par les conflits, de nombreuses personnes à la suite de l'époux de Marie sont engagées dans la construction d'un lieu où la justice et la paix peuvent régner. Nous l'avons vu de près au sein de l'école des frères Lassaliens, au cœur de la vieille ville. Nous préparons spirituellement les étudiants et préparons l'école à accueillir Jésus, le Sauveur. Le message de Noël est l'espérance. Nous vivons actuellement le conflit et la frustration, mais l'arrivée de Noël apporte un message d'amour et d'espérance. Nous vivons en Terre Sainte, terre d'espérance et de joie. Et nous avons à l'apporter au monde entier. Pour les enfants, le conte à rebours de Noël est lancé. Ils redécouvrent le vrai sens de cette grande fête et réapprennent à regarder l'avenir avec espérance. Tout d'abord, Noël commence par une préparation intérieure, c'est-à-dire que nous avons avant tout à préparer nos cœurs à recevoir le Christ. Avec la naissance du Christ, la paix et l'amour naissent. Et après la préparation intérieure, des activités plus concrètes. Nous avons récemment collecté des cadeaux et nous les avons distribués dans des orphelinats et des hôpitaux. Les élèves de certaines classes sont allés visiter les orphelinats et ont partagé la joie de Noël avec les enfants. Nous visitons d'abord les églises. Nous consacrons du temps à la prière, puis nous pratiquons la charité. L'école nous aide à nous rapprocher de Jésus à travers l'Eucharistie ou à travers des rencontres spirituelles spéciales au sein de la communauté chrétienne. Avec Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, et dans le regard de ses enfants, nous contemplons la pureté qui, encore plus en ce temps de l'année, nous fait croire que l'avenir vaut la peine d'être espéré. Avec nos élèves et nos enseignants, nous chantons avec les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Nous recherchons la paix, l'amour et la réconciliation. Les représentants de l'administration générale du patriarcat latin de Jérusalem et le groupe des écoles palestiniennes Shepherd, le projet de Bethléem à Bethléem, sont allés voir de près la situation des réfugiés vivant en Jordanie. Il s'agissait d'apporter un réconfort spirituel et matériel à travers des cadeaux symboliques et même un concert de Noël à ces personnes qui ont été forcées de quitter leur pays. Alléluia.
Amman, la capitale jordanienne, un moment de prière spéciale animé par un chœur de plus de 250 enfants, syriens et irakiens, a également été organisé. C'est la première fois que quelqu'un nous fait vivre une si belle initiative. Les choristes traitaient les enfants comme s'ils étaient des professionnels et ils étaient très heureux. J'ai vraiment vu l'enthousiasme chez nos étudiants. Aujourd'hui a été une excellente journée et je tiens à vous remercier beaucoup. J'étais très contente de ce spectacle. Je tiens également à remercier les étudiants qui sont venus exprimer leur solidarité avec les jeunes de leur âge en leur faisant ces merveilleux cadeaux. Je vous remercie beaucoup. Ici, ceux qui sont venus exprimer leur solidarité ont redécouvert le vrai sens de la parole de Dieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Je remercie les élèves des écoles du patriarcat latin en Palestine. Nous prions pour vous. Comme c'est difficile de perdre sa patrie, sa maison et même sa famille et de se sentir détruit, sans abri, soulignait Francis, l'un des fondateurs du groupe Shepherd. Aujourd'hui, nous sommes au sommet du bonheur, au sommet de notre talent de musicien, de croyant et de chrétien. Et plus important encore, nous sommes au sommet de notre humanité, car nous sommes avec nos frères réfugiés dans ces circonstances difficiles. Et nous leur disons, Christ est né, Alléluia. C'est un message de ma part, du groupe Ar-Rouwa, du bureau de l'administration générale des écoles en Palestine et des enfants en Palestine, qui ont contribué magnifiquement à apporter de la joie aux enfants, à redessiner un sourire sur leur visage et dans leur cœur en leur apportant ces merveilleux cadeaux. Questi giorni Gerusalemme è tornata nei media di tutto il mondo, purtroppo sempre con immagini di violenza, di divisione, che ha spaventato molti pellegrini che avevano programmato di fare il pellegrinaggio, di salire qui a Gerusalemme, come si dice. Ecco, insieme al Padre Custode abbiamo pensato che sia bene dire a tutti voi pellegrini, tutti coloro che hanno Gerusalemme nel cuore, che il pellegrinaggio è interessante e sicuro. E che le immagini che avete visto in televisione non dicono la verità di bellezza e di tranquillità, di serenità che invece c'è a Gerusalemme. Vi invitiamo dunque a ripensare ancora nuovamente il vostro pellegrinaggio a Gerusalemme, fare questa bellissima esperienza di fede e questa importante e meravigliosa forma di solidarietà alla comunità cristiana di Terra Santa. Vi invitiamo a venire, vi invitiamo a confermare i vostri pellegrinaggi proprio con lo spirito di chi desidera attraverso il pellegrinaggio fidarsi di Dio. Potete venire tranquillamente in Terra Santa, noi qui viviamo, vediamo la situazione ogni giorno, i pellegrini sono rispettati e sono amati e non ci sono problemi o pericoli per i pellegrini. Inoltre, attraverso anche questo gesto di fede che è il pellegrinaggio, voi incoraggiate, sostenete la piccola comunità cristiana che vive qui in Terra Santa. E quindi vi invitiamo a non aver paura e a venire a farvi ancora pellegrini in questi luoghi dove Gesù è nato per noi e ciò che celebriamo tra pochi giorni nel Natale, i luoghi dove Gesù per noi ha dato la sua vita.